Bouche. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Des Bouches avec des mots dedans. Cela fait maintenant plusieurs mois que je parcours le monde dans le but de m'enrichir intellectuellement, mais surtout, ne nous le cachons pas, pour pratiquer le tourisme sexuel. Hein. Car une fellation en Thaïlande ou au Guatemala, c'est, je peux vous l'assurer, tout à fait différent. Hein. Aujourd'hui, je me trouve sur l'île de la Réunion, où nous allons examiner ensemble, vous et moi, une expression qui fait référence au fluide corporel. Cette expression, la voici, être fini à la pisse. C'est saugrenu. Qu'est-ce que cela veut-il bien vouloir dire que d'être fini à la pisse? Et pourquoi pas être fini à la merde pendant qu'on y est? Mais inutile de monter sur nos grands chevaux, vous allez voir, c'est très simple. Il s'agit d'expliquer à une personne, par le biais de cette petite phrase, qu'elle est un tantinet simple d'esprit, un peu bête, légèrement stupide, voire complètement conne. Pour vous faire une idée, je vous propose une petite mise en situation qui, je l'espère, vous permettra d'en saisir toutes les bases pour pouvoir un jour peut-être l'utiliser en famille ou entre amis. Putain, il fait méga chaud là. Tiens Charlie, tu me chopperais une glace s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ah, tu m'as demandé une glace, je te ramène une glace. T'es con quoi? J'ai chaud, je veux sucer une glace. Je vais pas sucer un miroir. Mais t'es fini à la pisse, toi, c'est pas possible. Putain, abruti, va. Voyez comment, grâce à cette expression bien ciselée, vous vous êtes évité bien de longs discours pour dire à un con qu'il est con. Venons-en maintenant, et comme nous en avons l'habitude, au sens propre des mots. La signification littérale de cette expression « être fini à la pisse » sous-entendrait le fait que lors de votre conception, ou, pour être plus clair, lorsque votre père introduisit son chibre dans la vulve de votre mère, dans le but d'y éjaculer les hectolitres de foutre, pour que vous puissiez venir au monde, il aurait aussi, par mégarde, une fois son poireau dégorgé, uriner dans le vagin de votre pauvre mère. Le spermatozoïde en train de féconder l'ovule aurait alors assimilé cette mauvaise pisse, entraînant de fait une dégénérescence irréversible du futur embryon, d'où votre débilité profonde. Mais rassurez-vous, si vous êtes fini à la pisse, dites-vous que celle-ci a de grandes vertus médicinales. Certains même n'hésitent pas à la boire le matin en complément du jus d'orange. Et c'est, paraît-il, excellent pour le teint. Hein ? Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous quand j'en aurai envie. Bonsoir. Des mots dedans. Des mots. Vous avez des mots dedans.